Ah, enfin, l'épisode 14. L'invincible et le boss de fin. Donc, après plusieurs tentatives, donc celle-là sera la bonne. Je pense pas la refaire si je mourais. Donc, si je mourais, je mettrai quand même toutes les vidéos en marche et j'expliquerai quand même que je suis mort dans cette vidéo-là. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi. Je ferai quand même une vidéo à la fin. Comme je l'ai dit, je ferai une vidéo juste avant le boss si je l'atteins. Une semi-vidéo, donc le temps de bouffer, j'ai vraiment la dalle. Comme ça, ça mettra un petit suspense en plus en espérant que je l'atteigne. De toute façon, je mettrai dans le commentaire de cette vidéo aussi si jamais je le faisais pas, si je me faisais tuer ou une carrière de genre. Donc maintenant, donc, je vous rappelle, hein, vous voyez l'image, l'invincible est juste devant nous. Donc ça va être un petit peu rush, puisque bah, je ne vais pas m'amuser à attendre 3 plombs pour avancer, puisque cet enfoiré va nous suivre partout. La grande question, c'est comment on le tue. J'ai absolument aucune idée, je n'en souviens absolument plus. Je me demande d'ailleurs si on le tue ou pas, avant le boss de fin. Donc voilà, donc merci à tous d'être arrivés jusque là, merci à Isaac d'avoir tenu le choc. Merci aux Xenomorphes d'avoir participé à ce film. Hein. Nous y sommes. Donc avant dernière vidéo, dernier chapitre invincible, mais le boss de fin sera pour la prochaine. Donc voilà, merci à tous et c'est reparti en espérant que je ne meurs pas dans 15 secondes. Et let's get parti. On restasse par-dessus. On se rend là, on vérifie que cet enfoiré se relève pas trop vite. Ah, c'est là que j'aurais bien aimé remonter à fond la caisse, machin. 1, 2, 3. Allez, allez, Isaac! On stase, on arrache. Un seul suffira. On court. On rush. Je ne sais pas quelles sont les zones d'arrivée possibles, on se souvient plus, je n'ai fini le jeu que 3 fois au passage. Bon, faites-moi confiance au niveau de la sauvegarde, j'ai pas envie, quoique la sauvegarde devrait être sécurisée, non? Ah merde, bug de son. J'écoute, je fais juste un check pour, pas que ce soit que de ça. 3 sauvegardes, chapitre 14, fin du jeu les gens. Ok, le boss de fin va débouler. Scène d'approche repérée. Donc la caméra va être assez rapide, hein. Je suis en mode stress. Je vais être certain qu'il me déboule pas dans la gueule ou que je ne voie pas arriver. J'ai de la stase en réserve. On fait quand même gaffe à ces connards. On n'oublie pas qu'il n'y a pas que l'invincible. Putain, il y a trop de bruit pour que j'entende venir s'il est là. Alors là, je vais pas aimer ce que je vais devoir faire. Cet écran qui tremble. Non, ce n'est pas la caméra qui est mauvaise image, qui est de mal. Il me faut des munitions aussi. Parce que je vais en avoir à en bouffer plein. Donc j'avance. Ok, on va pas se faire chier, on va se diriger. Je pense qu'il va débouler avant que j'ouvre la porte. J'aimerais bien en tout cas parce que. Ah, c'est vrai. Il est tout seul. Oui, t'es tout seul. On pète la jambe, normalement il devrait pas pouvoir me blesser quand il est en stase. Non, il faut un corps. Sauvegarde, bon, j'en ai fait qu'un seul, j'en ai refait pas, hein. À vous de me faire confiance. Je profiterai de chaque porte pour. Enfin, si je récupère pas, je vais m'en vouloir. Jean, c'est le rush. Ah merde. Je peux pas rusher ici, c'est trop dangereux. Il y a un connard qui déboule sur moi, mais je crois qu'il y a. Putain. T'es pas là. Putain de bruit qui m'empêche d'entendre. Bon, encore que. Il a effrayé plus fort que le bruit.
peut être derrière la porte. On va partir du principe. Il m'arrive dans la gueule surtout. Faut que je le restasse, j'ai pas le choix. Oh magnifique, j'ai repéré un truc pas mal. Donc, je stase. Non, je prends la bobine. Je pète la jambe, ça va lui prendre une plombe. Ah, ça sort de merde. Et putain, il est pas dans ma séfecte. Bien. Rapide check-up, vie c'est bon, stas c'est bon, munitions, on est bon. 21 balles, putain, ça paraît une vitesse. Ok, ah putain, je me souviens d'ici, je sais pas s'il peut débouler. J'aimerais bien faire un petit check, parce que quand je vais ouvrir la porte, je vais en chier. Bien. Au moins, il rush pas. Hors de question. Ok, stas powa, stas et bouton B powa. Bouton B powa et stas. Ok, on re... Ok, bouton B powa. L'autre connard va débouler d'un accès. J'ai pas tué, putain, mais viens. Putain, mon coloc, il va hurler. C'est quoi ces morceaux qui volent partout? Ok. Bouton B powa, ok, c'est bon. Allez, rapide check. Oh, putain, ils peuvent venir par là. Allez! Ok, zone sécurisée. Ah merde! Pas si sécu que ça. Oh le silence. Bon d'accord, le silence. Il me faut. Je pourrais attendre, mais quand j'aurai repéré un point de vie. Un point de. Ah! Ok, pas de conneries, j'ai repéré le problème. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Il y en a un deuxième. Ok, on va attendre qu'il se ferme. Ok, putain, je sais pas à combien. Enfin. Ah putain! Si j'avais besoin de ça aussi! Voilà pourquoi j'aurais dû prendre un peu d'oxygène. Surtout si je le rate ce con. Ok. 75, ok, on a plus d'ennemis, on fait pas la gaffe de passer en force. Bien. Ok, on reste calme, on passe en bas, tout va bien, j'ai le temps. Bon, puisque j'ai un peu de temps. Désolé pour le rush du siècle. Donc, j'ai 50 secondes, je vais en profiter pour checker rapidement dans l'inventaire avant. Quoique s'il y a plus rien après. Non, c'est bon. Ah, voilà, sécurité, et je suis ici. Ok, balle de snipe, j'en ai plus. Oh, fuck. Bon, bah, enfin, je me bats avec des armes moins conventionnelles. Je vais garder les munitions de celui-là pour les situations plus graves. Putain, 30 balles utilisées. Ouais, c'est là dans la panique la scène d'avant. Ça sent pas, la truc à droite. Ah, putain! Espèce de con. Je te verrai plus jamais. Bon, au moins zone sécurisée. On va partir du principe que c'est une zone de sécurisée ici. Avec un stop peut-être. Allez, désolé les gens. Alors je pense que le débit est reparti à fond, mais ça va être dur de le maîtriser vu qu'il faut que j'aille très vite en plus.
ça me pousse à papoter. Enfin, ouais, voilà, vous m'avez compris. Il me faut un stock, putain! Eh bien, les amis, je crois que c'est le dernier stock du jeu. Point de sauvegarde, point de force, machin. Ouais, c'est ça. Donc, nous allons commencer par point de sauvegarde. On va vérifier que je n'ai pas triché, hein. Les amis, dernier point de sauvegarde du jeu, aucune sauvegarde. Ok, donc si jamais on arrivait à la fin du jeu, plan. On va garder des munitions de... On va... Ouais, cutter plasma. Ah, si jamais j'arrive à la fin du jeu, il faudrait mieux que je tape sur la recharge. Capacité. Capacité. On aura plus de munitions. Si jamais c'était le dernier truc du jeu, j'aurais mieux fait d'utiliser le point de force, mais on ne sait jamais. Je peux me tromper. Donc, voilà, mon dieu! Je suis super chaud. Dans tous les sens, non, pas tous. Je veux dire que j'ai très très chaud, mais horriblement chaud. Il fait une température infernale. Je vais ouvrir la porte. Oh, je me lève, mes jambes, elles tiennent plus. Oh là là. Bon, point de force à acheter. Point de force à acheter. Ok, on va taper dans les munitions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 60 balles en stock. Il me faut du fusil d'assaut pour le boss. 1, 2, 3. 400 balles en plus de... 575 balles. De quoi tuer 575 ennemis divisé par 3. Je vous laisserai faire le calcul en commentaire. Point de vie. Sachant qu'on se fait one shot par le boss final. Mais qu'on a aussi le boss de fin à passer. Alors, je vais regarder ce que je peux acheter. Enfin, les points de force qu'il faudrait que je mette. Pour savoir si j'achète tout ce qui me reste en vie ou en munitions ou. Cutter plasma. Sachant que le cutter plasma, je vais plus vraiment l'utiliser quoi. À la vitesse, à la limite. Rechargement. Dommage. Dommage, ce serait pas mal si jamais je tombe en panne de fusil. Ah, ça me permettrait d'utiliser cette arme-là en. D'un principal, les gardiens de munitions de fusil chercheur pour les scènes dangereuses. Un point de force, juste un point de force. Ce sera le point de force final. Ensuite, 25 000. Soit j'achète que de la vie, soit j'achète des munitions. Je crois que je vais faire un peu les deux. Ça dépend aussi surtout d'inventaire. Ok, bon. Il se peut que je me prenne un deuxième pack de... Un deuxième pack de soins, en fait. Alors, un deuxième point de truc. Donc, je vais pouvoir prendre le pack de soins et le point de force. Je crois que j'ai 14 000. Soit j'ai 14, soit j'ai 24 000. Si j'ai 24 000, je prends un point de force et un pack de soins. Non, je vais acheter deux points de force. Alors là, oui, vous pouvez hurler, parce que j'ai l'impression que ça servait à rien d'acheter deux points de force ici. Poulette. Bien, 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 bien. Oh la couillonnerie. Bon bah recharge, alors soit capacité, soit recharge. Bah je crois que je vais taper dans capacité, hein. J'en ai acheté deux, capacité c'est un peu mieux pour les munitions. Ok. Ok les amis, nous sommes donc... Ah j'aimerais bien savoir exactement... Non c'est pas le boss... Ah on va ouvrir dessus, on va faire du gauche-droite avec l'infernal, avec l'autre con là. Et on arrive au boss de fin. Vidéo elle est à combien de temps? On en est à... 13 minutes, c'est bon, c'était court. Donc, je vais plutôt utiliser le cutter plasma en arme principale. Ouais, non, on a plein de cibles de loin. Ah, merde, Stas, j'en suis où? Alors là, je m'en veux. Non, il me reste de l'argent, je vais vendre un truc. Vendre. Détonateur, je vais pas en avoir trop l'utilité. Ça va me permettre d'acheter... 2 Stas. Bien! Pour le boss, c'est pour l'invincible. Putain, j'aurais dû y penser avant. Donc voilà, les amis. Dernière scène, dernière course du jeu. Zigzag entre les machins. Il y a plein de coureurs noirs. Donc il se peut qu'en fait je me replie ici alors que je crois que je vais la quitter. L'invincible qui va nous poursuivre jusqu'à la fin, je crois. Ou le chef qu'on le tue, je me souviens plus. J'ai des munitions. Les coureurs, je vais les faire avec ça. Je garde ça pour le boss final. Il faut que je garde plein de munitions de ça pour le boss final. Et c'est parti. Thank you.
Premier pack de soins utilisé. Le gros, il est où? Problème réglé. Putain, si le gros tombait là. Ouais, d'ailleurs. Voilà l'avantage aussi du fusil sniper. Headshot à la battlefield. Putain de bruit, on entend que dalle. J'entends même pas ma voix. Ah, risque de parler fort, hein. Comme je parle pas, comme j'entends pas ma voix et que je veux m'entendre. Au pire, je baisserai le son après. C'est là qu'il faut aller. C'est pas plus long que ça, putain! Coureur, coureur qui va me sauter! Bon, y'a personne, on va en profiter de cet arrêt-là pour rechoper le. Alors, y'a un coureur qui déboule, il faut balancer une stase dès qu'on ouvre. Bon, personne ne rigole. On a beaucoup de monde qui a... Non, 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 non. J'ai plus de balles, j'ai plus de quoi staser. Putain, je regarde, j'étais plus... Bon, j'ai pas... Putain, je me suis soigné, je me suis soigné, j'ai dit. Putain, faut que je rush, j'ai pas de quoi. Putain. Oh, des munitions. Ok, ça dégénère un peu pour à mon goût. Oh, il a été mis au sol par un crasher. Ah, j'avais oublié ce con. Vous tombez, vous tombez, vous tombez. J'attends là juste pour savoir si c'est une zone protégée ou pas. Oh, les packs de soins. Bien. Ok, alors je suis désolé, je vais attendre ici que ma jauge de stas se recharge. J'aurai 4 tirs. Ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Bon, j'en suis où? Ok, 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 j'en suis où dans la... Putain, mais charge-toi! Désolé pour l'attente, les amis, je sais pas en combien de temps ça se recharge, je vais monter quand même. Putain, la chaleur! Je crois que c'est moi qui monté, qui suis monté à 40 degrés là. Bon! Je sais pas si c'était vous, mais... enfin je sais pas si c'était moi, mais ça a été un peu laborieux, hein. J'ai l'impression d'avoir eu de la chance, beaucoup de chance, d'être passé en force, d'avoir bombardé le bouton B comme il fallait, d'avoir eu apparemment le pack de vie nécessaire. Deux stases, désolé c'est trop long, je vais avancer. Putain...
Voilà, Stas bouffé en moins de 2. Putain, non, à mon avis, c'est une mauvaise... Oui ! Je vous entends hurler ? Oui, je vous entends hurler d'ici. Les amis, Duto Fujami vient d'atteindre la scène du boss. En zéro sauvegarde, fou furieux. Et deux pantalons. Bon, eh bien, pour résumer la situation... J'ai le pack de soins max sur moi. J'ai des munitions sur moi. J'ai des munitions de fusil. Ah oui, c'est bon. Normalement, j'ai de quoi faire la scène de boss. Ça va juste être une histoire de, bah, un peu de chance et de talent. Sachant que je ne sais plus du tout, mais plus du tout, comment ça se passe. Je sais qu'il y a plein de bébés qui nous attaquent. Je sais aussi que si on se fait attraper par la créature, je crois qu'on peut même pas appuyer sur A, on est mort en un coup. Quand on lui fait des dégâts, je sais plus s'il faut y tirer dessus ou attendre. Et ça, c'est le gros problème. Parce que si j'attends et qu'il se passe rien, je vais mourir. Si je lui tire dessus et qu'il faut pas, elle va se rapprocher et me tuer. Attends, je vais regarder juste la scène de fin sur YouTube. Non. Non. Je vais quitter. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser commenter cette scène de rush incroyable. Cette survie. Ce martelage de bouton B. Et on se retrouve demain. Pour la fin. Et vous saurez si oui ou non, Duto Fujami a vaincu le boss de fin de Dead Space 2 en fou furieux, sans sauvegarder une seule fois. Eh bien, commentez. Alors, je serais heureux qu'il y ait des gens qui arrivent jusque-là. Alors, moi, ce fut une grande aventure, hein. Donc, il m'a fallu au total 3 tentatives. Une où je suis mort à épisode 3 comme un glandu, vous le verrez dans les vidéos. Un à épisode 8 comme un glandu, vous le verrez dans les vidéos. J'étais radin sur le pack de vie. 1. Dans la salle des lasers, celle qui m'a valu un coup de chaud incroyable dans cette survie-là. Et à présent, nous allons... Donc à présent, je vais couper la vidéo. Je vais couper la vidéo. Oui. Couper le son. Oui. Et vous retrouvez demain.